Bonjour, bonjour à tous. Je suis Franck Thebain-Richard, président de l'association Saint-François et du foyer Saint-François, qui est un foyer historiquement religieux depuis presque un siècle. Il est à l'origine foyer de jeunes travailleurs et maintenant un foyer qui accueille, des résidents blessés de la vie et des demandeurs d'asile venant de pays lointains et ayant connu toutes les épreuves de la guerre et, de la difficulté sociale. Noël au foyer Saint-François, c'est un Noël très important pour les résidents. Les résidents sont des gens qui viennent, pour certains, de très très loin, puisque comme vous savez, on a des demandeurs d'asile venant du monde entier, et on a aussi beaucoup de résidents venant de moins loin, mais qui ont été, si je puis dire, cassés par la vie. Saint-François a une historique chrétienne, et dans ce cadre d'accueil, si vous voulez, chrétien, et en fait de grande, fête de la communauté, et en fait de l'amour entre les individus, Noël, pour tous ces gens-là, c'est important. Et je dois dire que chaque année, on essaye d'innover un peu en faisant des Noëls différents, en fonction d'ailleurs des pays d'où viennent les demandeurs d'asile ou d'où viennent les résidents. Et à travers ça, c'est souvent eux qui s'impliquent sur telle ou telle initiative. Quand je veux parler par exemple d'un Noël ukrainien, je veux parler des chrétiens de Syrie quand ils ont été aussi martyrisés. Et on a fait quand même des beaux Noëls et des belles réunions où finalement, où il y a eu une grande fraternité et tout le monde s'est retrouvé. Et on a pu un peu, pour conclure, panser les plaies de tous ces gens-là, c'est le rôle de Saint-François, secourir et aimer. C'est difficile parce qu'en plus de ça, sur le plan pratique, certains ne logent pas sur le site. Et c'est difficile aussi parce que vous avez la barrière de la langue, mais avec un certain nombre de bénévoles qui donnent des cours de français, qui nouent des relations avec des gens que nous connaissons de mieux en mieux, avec une culture commune, plus facile quand c'est les chrétiens, puisqu'on a ce point commun de la pratique religieuse. Il y a un certain nombre de personnes qui effectivement s'impliquent, ne serait-ce que déjà par les cours toute l'année et par des expositions, par des dons, par des choses de ce genre. Mais il faut reconnaître que c'est difficile pour certains parce qu'ils viennent à la fois de loin et disons, ils ont quand même été marqués par tout ce qu'ils ont vécu. Je crois que le souvenir le plus marquant, ça avait été effectivement, puisque je viens d'en parler, les chrétiens d'Irak et de Syrie. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des visas, à faire venir des familles. Les familles sont venues, on s'est impliqué avec donc des familles qui ont accueilli, notamment sur le nord du département, un certain nombre de familles. Nous-mêmes, à Saint-François, on a eu 4 ou 5 familles. Et ce Noël chrétien avec un prêtre maronite, tout ça avec sur fond de guerre, de Syrie, d'Irak, voire du Liban, ça a été un moment merveilleux d'échange et d'amour qu'on a connu ici, à Saint-François.